Salut, c'est Metal Blaze. Aujourd'hui, j'ai sorti mon Quest 2. Bah, c'est pas pour me le carrer dans le cul. Non, c'est pour faire de la VR. Et donc, on est dans un laboratoire. Et on a différentes expériences. En fait, c'est pas un vrai jeu proprement parlé. En fait, là, on est sur Steam. Et en fait, ça, c'est un peu une playtest. Et c'est complètement gratuit. Et on est en haut d'une montagne. D'accord. C'est super grand. On y croirait en vrai. Bah, peut-être pas là avec l'arrière, enfin je veux dire en arrière-plan. Mais là vraiment là, le bout de la montagne, je le vois, c'est vraiment à quelques mètres. Et Dogo, je vais l'appeler Bark. Vous dites on l'appelle Bark? Et Bark est complètement taré. Eh Bark, viens voir. Tu veux le bateau? Tu veux le bateau? Va chercher. Ah, et je peux resélectionner le menu, et je peux avoir accès aux autres expérimentations. Du coup, c'est vraiment Valve, c'est vraiment l'univers, tout l'univers justement de Portal et tout. C'est pour ça que du coup, il y a certains choses qui font probablement penser à Portal. Ah, notamment, bah là, la figurine de Atlas, si j'ai pas de bêtises. J'ai jamais joué à Portal, je crois que c'est un personnage de Portal 2, du coup. Et j'ai un peu expérimenté le jeu, tout ce qu'on pouvait faire. Il y a certains jeux que je ne pourrais pas faire par manque de place, notamment ce mini-jeu. Où en fait on peut voir une vue éclatée du robot Atlas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu voir que je l'avais. Mais il est passé où? Ah mais c'est le Dogo qui joue avec. Et pourquoi tu joues avec Atlas? Mais laisse-le là. Laisse-le tranquille. Je l'ai fait tomber. Laisse Atlas tranquille enfin Bark. On va commencer avec la première expérience. Enfin la seconde du coup, parce que la première c'était avec le chien dans la montagne. Fait un drôle de bruit dis donc ce vaisseau. Et du coup avec le vaisseau on peut... Bah oui, en fait, je le dis, si vous demandez pourquoi on me voit pas, bah tout simplement parce que j'ai pas assez de place pour m'avoir crucé en même temps sur le fond vert. Ah bah heureusement que la fluidité fait que je peux diriger mon vaisseau assez facilement. Et on a un gigaboss. J'ai juste l'impression d'avoir une baguette magique. Ah mais je suis pas Harry Potter, hein. Wing wing wing, vas-y, essaie d'esquiver ça, tiens. Bon, les mecs à l'intérieur du vaisseau sont en train de gerber, mais t'inquiète. Et je me suis fait exploser. Ça me nique les yeux, leur truc. On peut jouer avec les ballons. Tu veux un ballon? Tiens, prends ça, gamin. Y'a plus de ballon. Le slingshot. Oh, la physique. La physique. Oh, la physique. Oh, la physique. En plus, avec les maîtres du Quest, le jeu est uniquement d'ailleurs sur Steam, mais c'est quand même compatible avec les maîtres du Quest et le casque Quest, parce que moi je joue avec le Quest 2. Et ben j'ai quand même un petit retour de vibration et c'est très satisfaisant, je peux vous dire. Oui. Je suis un peu nul, hein. Mais boah! C'est de ma dernière boulasse! Ah, celle-là, je peux viser avec! Ouh! Ah, d'accord, je crois que c'est des sphères de personnalité. Je crois que c'est pour ça que les bouboules, elles parlent. Tu parles trop? Donc là, on est dans Longbow. Et. Ah oui, d'accord! On a un arc. Défendez votre château. Ouais, bah, je vais essayer, hein. Encore faut-il que j'arrive à toucher. Oui! Oui! Ils ont des casques maintenant! Meurs, monsieur! Non, vous mourir, monsieur! Wouhou! J'ai pas assez de place dans ma chambre pour pouvoir tirer le bras plus long! Ah, mais je l'avais pas vu, lui! C'est ballon que j'essaye de toucher! Bon, tant pis! Ça nique le bras. Bam. J'ai plus de vie. Faut reconstruire la porte. Ok. Non, dégagez. Non. Ils ont réussi à passer. Eh ben tant pis. Eh, il y a un gus là-haut. Ah, trop loin. Ah bah, aussi, il y a des ballons. Reviens. Ouh, une flèche perdue. Ça, du coup, c'est... Oh, la commande de drone. C'est un drone. Parce que du coup, je contrôle complètement le drone et je peux faire ça. Mais oui, complètement. Attendez, est-ce qu'on peut aller voir le gus, là-bas? Prenons le drone. Voyons le là-bas. Bah, je suis peut-être pas bien placé non plus, attendez. J'ai cassé la tasse. Non, je pense qu'on peut prendre le drone. Et genre. Vas-y, va là-bas. Va voir le monsieur là-bas.
va l'emmerder. Hein? Ah, on peut rien faire, on peut pas interagir avec lui. Attendez, est-ce que mon drone peut se faire percuter? C'est à toi, c'est ton heure. C'est pour ça qu'on est là. Oui! Ah non, il part dans l'autre sens du coup. Oh non, il a despawn! Il a despawn! Oh non! Ouh, une pieuvre! On peut pas interagir avec, non! Ah, there you are. Faut pas me le donner ça! Je veux! Don't be afraid. Hey, mais tu reconnais, t'es le RTX! Oh! Je me sens tout petit d'un seul coup! Ouais, salut! On se reverra jamais! Tat! Ah! Plus jamais tu fais ça, hein! Oh là, ouvre-moi, hein, maintenant que je suis à ta taille, hein! Ouvre-moi ta grande gueule! Hé! Hé! Mais attendez! Stalate de phalange! Oh, il kiffe! Oh, il kiffe! Crise d'épilepsie! Stalate de phalange! Ah, non! Pas lui! Je vous reconnais, vous! On s'est déjà vu dans Harry Potter, non? La lumière? Oh shit! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah! Je crois que je me suis bouffé. Je vais te crever les yeux, Billy. Tu savais que les carottes étaient bonnes pour ta vue? Hein? 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 On est d'accord, hein? Les carottes, tu savais que les carottes étaient bonnes pour ta vue? Hein? Hein? Tu veux jouer avec le crâne, Bark? Tu veux jouer avec le crâne? Il est solide, hein? Tu veux jouer avec le crâne? Eh ben, va le chercher! Là, tu te démerdes, hein. Tu vas le chercher, man. Va chercher le crâne. Mais bouge ton cul! Bah, c'est déjà ce qu'il fait, mais. Bon, en attendant, moi, je vais là-bas, hein. D'accord, Bark? Va chercher le crâne! Oh, le système solaire! Ça, c'est intéressant, ça. Quoique vide, évidemment. Quoique instructif. Car on sait que cette planète, c'est Neptune. Super, et on peut visionner les anneaux de Neptune. Est-ce qu'on peut la. Oula! Qu'est-ce que. Ah, d'accord, je viens de capter ce qui vient de se passer. J'ai juste pas la dragon sur la main là. J'ai cru que c'était un joint de taille le truc. Est-ce qu'on peut faire du basket avec Neptune? Oui, on peut faire du basket avec Neptune. J'ai un meilleur avenir pour Neptune. Étant une planète gazeuse et non habitable, enfin non favorable à l'habitat. Ce qui était prémédité vraiment, vraiment, elle avait pas d'autre choix. On peut faire du basket avec Uranus. Oui, il peut faire du basket avec Uranus. Ça, c'est vraiment le genre de phrase que je pensais que j'allais jamais lire une fois dans ma vie. Bah, comme ta voisine, écoute, hein. C'est le destin, désolé. Oh, Vénus, viens voir. C'est ce qui va t'arriver bientôt, hein. Sinon, là, ici, on a Mars. C'est facile à savoir, c'est la quatrième orbite. Bon, de toute façon, Mars est complètement déserte. Est-ce qu'un jour, on y aura la vie dessus? Je pense pas, hein. Bon, dans le douce. Attends, reviens, Mercure. Un Mercure à part à toute belle pierre zinc, hein. Bah, écoute, hein, t'es la plus proche du soleil, à partir du moment où faut bien que tu meurs toi aussi, hein. La planète bleue, viens ici, viens à papa. La Terre. Ouais, est-ce que je... Ouais, bah oui, forcément, bah tout le monde la connaît, hein. On habite dessus, hein, si jamais. Genre moi, je dois habiter, ouais, genre là, à peu près, là. Voilà, et ça, c'est le réchauffement climatique. Tu kiffes le réchauffement climatique, hein. D'ailleurs, c'est marrant, fun fact, hein, le réchauffement climatique, on n'entend parler que l'été, jamais l'hiver. Allez. Eh ben, il nous reste les géantes gazeuses. Est-ce qu'on peut faire un basket avec Jupiter? Elle est immense. Elle est tellement grande, comparée à la Terre qu'on avait tout à l'heure. Bon, oui, forcément que le Soleil est beaucoup plus grand, mais... Oui, on peut faire un basket avec Jupiter. Complètement... Tu dois mourir! Faut mourir, Jupiter! Et sinon, la planète préférée par les astronomes, et même par les gens en général, Saturne. Lorsqu'on peut la faire tourner dans ce sens-là. Wouh! 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 Non, reviens! Attendez. Mais. On peut vraiment la faire la rebondir? Saturne, reviens! Wayne. Tu sais quoi, va voir papa. Ah non, je pensais qu'on pouvait attraper les anneaux indépendamment. Ouais, bah c'est nul. On peut rien à faire de ça. Bah du coup, il y a plus de planètes dans le système solaire. Hé. Ouh là là. Ah, supernova. Et merde, bah du coup, je viens de créer une nébuleuse. Il y a plus rien, c'est le vide spatial. Enfin non, du coup, on n'est pas, enfin je veux dire, il n'y a pas qu'un seul système solaire dans la galaxie. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas les autres étoiles?
Non, on voit pas la Voie lactée. Bah tiens, il est là le soleil. Ça va, je suis fort en science. C'est une naine blanche. Ah, la puissance de la Terre entre la paume de ma main. Ah bah j'aurais pu faire ça avec le soleil, je suis con. Tu veux jouer avec la Terre? Ouh. Ouais, c'était quand même fort sympathique quand même. Et je pense que sur la chaîne, ça manquait d'expérience VR, n'est-ce pas? Mais prends ça, Bark. Eh, tu m'as rapporté le crâne, c'est bien. Tu sais ce qu'on fait aux gens passage, Bark? Oui, vraiment, on fait ça, hein. On leur éclate la tête contre le mur, parce qu'ils n'ont pas été sages. Bon, par contre, Bark, tu fais pas ça en vrai, hein. Sinon, tu vas en prison. Donc, par contre, tu peux leur crever les yeux. Je vois que t'es attentif, c'est bien, faut pas non plus faire ça, hein. Eh, mais attendez, Bark, il m'a emmené dans un autre monde. Hey, sympa cette expérimentation. Sympa les couteaux. Enfin, ça de là, c'est des clés morts, mais t'inquiète, c'est... Ah merde, bah non, du coup, c'est un autre jeu, du coup, ça sera pour une prochaine fois. Je suis en train de suer, j'ai très chaud. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo VR sur The Lab. Je rappelle que du coup, si vous voulez jouer au jeu, c'est uniquement sur Steam. Il faut que vous possédiez un casque VR branché sur le PC. Mais du coup, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.